Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis tout à Donc, nos fait, je suis parents, très heureux. on vous laisse la main. Vous m'entendez là, tout se passe bien? Parfait. Alors, Oui, on j'espère vous que. entend bien. Vous entendez mieux que parents? Oui, moi j'entends, c'est bon. Peut-être un petit On problème vous de entend? connexion. Oui, c'est bon, on vous C'est entend bon. bien. Allez-y, Ok, monsieur parfait. parent, Alors, on vous y nous va. entendez? Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette présentation. Je pense que ça peut être, enfin, j'espère que ça peut être utile pour certains qui veulent se lancer ou approfondir un projet numérique. Et j'avais moi-même par le passé bénéficié de ce type de présentation de la part d'Apple à diverses occasions, et ça nous avait bien aidé à l'école alsacienne pour débuter notre projet d'équipement individuel des élèves. On va essayer d'être assez rapide pour vous laisser un temps d'échange, enfin, vous laisser poser des questions et répondre à différentes interrogations que vous pouvez avoir. Donc, je me présente, je suis Brice Parent, je suis directeur du collège et du lycée de l'école alsacienne et j'ai le plaisir de faire cette présentation avec Nicolas Labarrère, qui est professeur de SVT et qui est notre référent numérique. On va essayer, voilà, d'alterner un petit peu tout au long de la présentation. Il vous donnera des exemples très concrets d'utilisation de l'iPad en classe, parce que voilà, les exemples, je pense, sont importants et disent beaucoup de choses sur l'intérêt d'un tel outil. Pour commencer, je vous dis juste un tout petit mot de mon établissement scolaire, l'école alsacienne. Donc, c'est un établissement privé sous contrat d'association avec l'État. C'est un établissement laïque qui a été fondé en 1874. Alors, je ne vais pas vous en faire l'historique parce que ça prendrait longtemps, mais juste répondre à une question que l'on se pose souvent, pourquoi alsacienne? Eh bien, tout simplement parce que en 1870, des familles alsaciennes qui vivaient à Strasbourg, qui venaient, enfin, qui scolarisaient leurs enfants pour la plupart dans un grand lycée strasbourgeois, le lycée Georges Thourme, ont fui la guerre de 70, sont arrivés à Paris et ont décidé d'y créer un établissement, et un établissement qui, dès l'origine, est un établissement laïque. Cette laïcité, c'est un des points caractéristiques de notre école. On y scolarise actuellement 1800 élèves en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée. Et pour ma part, je m'occupe de la partie collège-lycée, c'est-à-dire d'à peu près 1200 élèves. Alors, notre devise, qui est assez ancienne, met à l'honneur l'innovation. Et donc, c'est assez logique que nous nous soyons intéressés depuis longtemps aux questions du numérique et que nous ayons décidé il y a quelques années, je vous retracerai à la fin un petit peu le parcours, que nous ayons décidé il y a quelques années d'équiper nos élèves de façon individuelle d'un outil numérique. Mais je voudrais insister sur le fait que cet outil numérique, il doit, et ce projet numérique, il est très important qu'il soit vraiment en lien avec un projet d'établissement et même qu'il en découle. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas imaginer qu'un équipement numérique va bouleverser le fonctionnement d'un établissement ou va apporter des solutions à je ne sais quel problème. La tablette numérique, l'iPad, c'est formidable, mais ce n'est qu'un outil au service d'un projet, au service d'une vision de l'éducation, d'une vision d'établissement. Et c'est vraiment ça qui doit être premier et qui doit ensuite déboucher sur éventuellement un projet numérique ou pas, parce que certains établissements font le choix justement de ne pas en avoir. Pour notre établissement, pour l'école alsacienne, alors je ne vais pas vous détailler le projet d'établissement, si vous en avez la curiosité, vous irez regarder sur notre site internet, mais voilà, quand on essaye de le résumer, on met en avant ces trois points-là, le plaisir d'apprendre, la façon dont on essaye d'être à l'écoute de chacun des élèves et de chacune des familles, et puis l'ouverture de l'établissement sur beaucoup de choses, sur la culture, sur le monde, sur les voyages. Alors, en ce moment, le monde et les voyages, c'est un peu limité, malheureusement, mais c'est normalement un des points importants de notre école. Et donc, ce plaisir d'apprendre, eh bien, et puis les autres éléments, il nous a semblé que il pouvait faire très bon ménage, être véritablement stimulé par un équipement individuel. C'est peut-être ce point de départ qui nous a poussé à nous investir dans cette
dans ce projet, qui n'est pas une mince affaire, hein, ça peut être compliqué, mais c'est extrêmement intéressant sur un plan pédagogique. Alors, quand on a lancé le projet, peut-être que là, je vous fais une vision un petit peu rétrospective, enfin à partir de notre position aujourd'hui. Au début, on hésite un petit peu, on tâtonne, mais très vite quand même, dès la première année, on a structuré les choses et pour expliquer, communiquer et savoir pourquoi on les faisait. Et on a essayé de dégager des points qui nous semblaient essentiels, en lien justement avec notre projet pédagogique. Cet équipement individuel, on en voyait un intérêt fort par rapport à une pédagogie qu'on essaye de mettre en œuvre. Ici, comme dans beaucoup d'établissements, hein, c'est désormais quelque chose de tout à fait banal. Une pédagogie qu'on peut qualifier d'active, celle qui place l'élève au cœur de la classe, au cœur de l'établissement, qui essaye de le mettre en activité le plus possible. Et alors, on n'est pas du tout hostile au cours magistral, au cours frontal, mais ce qui nous semble plus propre à notre établissement, à la philosophie de l'école alsacienne, à son ADN, c'est bien plus le fait de confier des activités, de mettre l'élève au cœur des choses. De la même manière, l'idée de créativité nous semble un élément essentiel, indispensable, encore plus indispensable aujourd'hui que ça ne l'était. On a besoin de former des jeunes gens qui seront créatifs. C'est, à mon sens, un point formidable pour la suite de leur parcours dans les études, de leur parcours professionnel aussi. C'est peut-être justement ce qui nous distingue des intelligences artificielles et de tout un tas de métiers qui seront peut-être repris par l'intelligence artificielle. La créativité, la création, c'est une activité humaine fondamentale et donc il nous semblait important d'offrir un outil qui permet de stimuler cette créativité. Il en va de même de la coopération. Là aussi, c'est une qualité essentielle que l'on cherche à développer chez nos élèves. Dans notre projet d'établissement, on dit très clairement qu'on préfère de loin la coopération à la compétition. Certains établissements misent beaucoup sur la compétition. Pour nous, ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite défendre, ce qu'on souhaite développer. On souhaite avant tout que nos élèves apprennent à travailler les uns avec les autres. Et je dirais que ces deux qualités, la créativité et la coopération, ce n'est pas seulement quelque chose qui est important pour les élèves, c'est aussi important pour nous, professeurs, corps enseignants, direction. Ce sont des qualités qui nous semblent fondamentales. Et je vous expliquerai comment la coopération peut être renforcée par un outil numérique individuel, ce qui n'est pas forcément intuitif. L'éducation au numérique, c'est aussi un point très important de notre point de vue. Alors, je le développerai un peu moins, on le développera un petit peu moins aujourd'hui, mais ça nous semble indispensable au XXIe siècle de permettre à chacun d'avoir une très bonne formation des différents usages. Et c'est une bonne formation pour les élèves et c'est aussi une formation indispensable pour les familles. Je vous en dis peut-être un mot. L'arrivée de l'iPad est vécue différemment hein, d'une famille à l'autre. Dans beaucoup de cas, ça se passe très bien. Dans certains cas, il y a beaucoup d'appréhension, de réticence, d'hostilité parfois, parce que ça peut être le premier objet numérique confié à leur enfant et il peut y avoir de la crainte. Nous pensons qu'on vit dans un monde entouré d'objets numériques et que nous devons préparer nos élèves, nos enfants à en faire un bon usage, un usage intelligent, raisonné, avec beaucoup d'esprit critique à l'égard des fake news, etc. etc. Et puis un objectif pratique, un peu terre à terre, mais important tout de même. Équiper nos élèves de numérique, ça nous a permis de diminuer, d'alléger le poids des cartables, ce qui est quelque chose d'embêtant, tout le monde le sait. Voilà, ça permet quand même d'apporter un élément de solution à cette question, même si, je le dis d'emblée, nous avons vraiment fait le choix d'avoir un modèle dans lequel l'écrit, les manuscrits restent importants. Donc tous nos élèves conservent des cahiers, des stylos, écrivent, les examens sont, sauf cette année, manuscrits, et ça nous semble indispensable de continuer à les former en ce sens.
Pour continuer, je vais développer, on va développer un premier point sur justement cette question de la pédagogie active, de la manière dont on peut mettre les élèves en situation, en activité, au cœur de la classe. C'est ce qu'on essaye de faire le plus souvent. Là, vous voyez, dans un laboratoire de sciences, une expérience filmée par des élèves, c'était il y a quelques années déjà. Et je pense que tout le monde est convaincu de cela. Tout le monde est convaincu de l'idée qu'il faut donner de la liberté d'esprit, de la créativité aux élèves, faire en sorte qu'ils fassent plein de choses par eux-mêmes. Mais parfois, ça reste encore dans une manière de faire un petit peu frontale. Et lors d'une visite que j'avais effectuée il y a quelques années justement avec Apple dans un lycée près de Londres, j'avais le proviseur de l'établissement, le proviseur adjoint de l'établissement, nous avait projeté ce dessin de presse qui m'avait fait beaucoup rire et que je trouve très juste sur ce qu'il dit d'une certaine forme de pédagogie dans laquelle on peut inciter très facilement les élèves à faire preuve d'indépendance, d'innovation, d'esprit critique, mais dans laquelle, par un rapport qui reste frontal, on les invite implicitement à faire comme la figure du maître. Voilà, j'aime bien ce dessin. Et je pense que ça dit beaucoup de nos travers à tous, professeurs. Je dis tous professeurs parce que moi, je suis professeur au départ, hein, je suis professeur de français avant d'être chef d'établissement adjoint. Et donc, le numérique nous pousse à changer cette posture au sein de la classe. Et c'est peut-être le point le plus important. Et alors, toujours lors de cette première visite, on était plusieurs chefs d'établissement français. Et l'un des points qui nous avait marqué, c'était un collège dans lequel il n'y avait pas forcément beaucoup de numérique, mais il y avait vraiment ces activités au sein des classes, qui, dans chaque cours, il n'y avait quasiment jamais de cours en frontal, quasiment jamais de professeur assis à son bureau. Et donc, la réaction des chefs d'établissement français en entrant dans chaque salle, c'était toujours de chercher le professeur. Et du coup, ça c'est une de nos salles de classe, et dans laquelle on ne voit pas... au premier regard en tout cas, le professeur qui est au milieu des élèves. Les élèves sont en train de travailler, sont dans des activités avec l'iPad, en l'occurrence, ça pourrait être avec autre chose, mais l'iPad démultiplie les possibilités offertes au professeur. C'est ça qui nous semble tout à fait intéressant, c'est qu'on peut faire encore plus de choses et qu'on peut bien davantage les mettre au travail. Et que du coup, le rôle du professeur, il change un peu, il se déplace, et qu'il accompagne, mais qu'il n'est pas forcément celui qui dispense le savoir. Le savoir, il va s'acquérir d'une manière différente, entre pairs, d'une manière un petit peu plus intéressante. Pour terminer sur ce point, et puis je vais laisser la parole à Nicolas, un autre intérêt d'un équipement mobile, c'est qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut très 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 facilement mettre en œuvre des classes inversées. Alors là encore, on peut inverser la classe sans utilisation de tablette, mais on a des professeurs qui font ça de manière très aisée à l'école sur une partie du programme, c'est-à-dire qu'ils envoient à nos élèves l'essentiel des éléments de cours, qu'ils peuvent travailler à la maison, qu'ils emportent en classe, et puis ensuite ils ont des exercices à faire. Et cette photo, je la trouve intéressante, c'est là encore une de nos classes, une classe de 3e, photographiée l'année dernière. C'est des élèves qui avaient été équipés en 5e, donc ils avaient eu l'iPad en 5e, en 4e, en 3e. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, ils sont en parfaite autonomie. Ce sont des groupes de travail constitués pendant quelques semaines qui savent ce qu'ils doivent faire, ils doivent s'entraîner et s'entraider les uns des autres, parce qu'ils vont être évalués d'ailleurs, notamment sur leur performance de groupe à la fin de la séquence. Et donc, ils doivent... stimuler ceux qui ont un peu plus de mal en mathématiques. Et donc, ils ont une série d'exercices, tout est sur l'iPad, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais ce qu'on voit, c'est que certains, dans le fond de la classe, utilisent l'iPad et que d'autres ne l'utilisent pas. Et ça, ce n'est pas parce que le professeur a dit surtout ne l'utilisez pas, c'est simplement parce que ils savent très bien qu'à certains moments, c'est utile, à certains moments, ça sert. Ça leur permet d'avoir un accès direct aux connaissances et qu'à d'autres moments, ils n'en ont simplement pas besoin. Parce que la crainte qu'on peut avoir, et ce qu'imaginent parfois les parents, et ce qui, pour être honnête, se passe au tout début, en 5e, nous on équipe à partir de 5e, donc quand ils découvrent l'iPad, il y a un peu cette effervescence, et c'est un objet qui est un peu fascinant.
Et donc, ils peuvent y passer beaucoup de temps. Et là, c'est à l'adulte de dire quand ils doivent l'utiliser et quand ils ne doivent pas l'utiliser. Mais en fait, au bout d'un certain temps, et a fortiori au bout de plusieurs années, ils sont très autonomes et assez libres avec ça pour savoir quand est-ce qu'il est opportun de l'utiliser et quand est-ce que ça l'est moins. Je ne vous dis pas qu'on est dans un monde parfait. Évidemment, à la maison, ça peut être une source de conflits, de tensions, etc., comme le téléphone portable, comme plein d'autres outils. Mais on remarque quand même cette utilisation à bon escient de cet outil. Un autre exemple de pédagogie dynamique, elle se fait, et là je laisse la parole à Nicolas, sur les possibilités d'évaluation des élèves. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Oui, bon, je m'appelle Labarthe Nicolas, moi je suis professeur de SVT depuis déjà quelques années, mais je ne suis à l'école alsacienne que depuis 3 ans. Donc je n'ai pas participé, moi, à la mise en place du projet et je n'avais jamais enseigné avec la tablette. Donc je m'y suis mis et j'ai trouvé l'outil plutôt très intuitif. Là, je vais juste vous montrer de manière très concrète quelques applications de l'iPad en classe. Ici, c'était pour vous montrer la notion d'évaluation ou en tout cas aussi d'apprentissage. Il existe différentes applications sur la tablette. La première que vous avez, elles sont en bas. C'est une application qui s'appelle Quizlet, moi que je fais en général avec les petits. Concrètement, sur une heure de cours, la première demi-heure, on travaille pas mal sur les différentes notions et au bout d'une demi-heure, on fait la pause Quizlet. Concrètement, ils prennent leur tablette et via ce site, ils vont jouer entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à apprendre. Le but, c'est créer la mémoire à long terme et donc il faut qu'ils répètent le plus possible les différentes notions et à différents moments. Et donc là, ils ont 10 minutes pour faire des cartes mentales que j'ai rentrées auparavant et ils travaillent ensemble. Et au bout de 10 minutes, on stoppe et on repart sur le cours. Et si on a une séance de 2 heures, par exemple, au bout de la deuxième heure, on rejoue avec les mêmes cartes. Donc c'est un outil qui est très, très intéressant, ça, pour cet apprentissage comme ça de manière assez précise. En haut, je vous ai mis une autre type d'évaluation. Alors en bas, j'étais sur l'auto-évaluation. Là, c'est une évaluation beaucoup plus classique, une évaluation summative de début d'heure. Les élèves arrivent en début d'heure, ils sortent la tablette, je leur donne un code, et sur une application ici qui s'appelle Socrative, ils rentrent le code et automatiquement, ils ont accès à mon QCM. Ils cliquent de manière instantanée, et moi, de manière instantanée, j'ai la correction avec la note et les différents éléments où ils ont pu se tromper. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est qu'à faire ça en début d'heure, je vois exactement qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Et parfois, je remarque que cette question a été ratée par tout le monde. Donc, ben forcément, je me remets un petit peu en question et je pars de cet acquis-là. Voilà un peu, il existe beaucoup, beaucoup d'applications. Après, il existe des applications beaucoup plus ludiques. Exemple, Kahoot, que là, on fait en groupe pour travailler un peu les fins de chapitre, pour voir un peu qui maîtrise avec une notion d'entraide, qui est aussi très, très intéressante. Voilà sur l'évaluation. Pardon. Allez-y, Nicolas, sur la différenciation pédagogique. La différenciation, alors elle peut être très facile. Ils ont un TP avec une feuille papier, ils ont différents QR codes, et ces différents QR codes sont juste des aides. Et le but, c'est dénouer un élève et le faire gagner en autonomie. C'est ça qui est très, très important aussi. Concrètement, s'il a une difficulté sur un document, il flash pour avoir une information en plus, et l'enseignant est là pour l'aider ou pour aller un petit peu plus loin. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était la différenciation, mais de parcours. Concrètement, là, nous sommes en première spécialité et nous travaillons sur les écosystèmes. Et la première séance, ils arrivent et j'ai fait un Socrative diagnostic. Donc, avec 10 petites questions sur le programme de seconde, puisqu'en seconde, ils ont vu la notion d'agro-système. Et suite à ces résultats instantanés, je ne réserve pas de salle informatique, tout de suite, ils ont leurs notes, on va choisir le parcours. Donc là, c'est un site sur lequel je travaille qui s'appelle Geniali et il y a 4 petits défis. Concrètement, l'élève qui est entre 0 et 3 sur les acquis de seconde, il va partir sur le premier défi qui est très, très guidé. Et plus j'ai une note importante, plus je vais vers le défi incendie, voire super incendie, c'est-à-dire les mêmes notions, mais beaucoup moins guidées, avec beaucoup moins d'aide. Et donc, c'est à l'élève à choisir son défi suivant l'évaluation du départ. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'à la fin, au bout d'une heure et demie, ils ont les mêmes notions. Ils ont travaillé les mêmes choses, mais de manière parallèle, voire totalement différente. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, deuxième point sur lequel on souhaitait insister, c'est la notion de créativité. Parce que avoir une tablette en classe, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, démultiplier les possibilités pour le professeur, les possibilités pédagogiques, il peut faire beaucoup plus de choses, mais c'est aussi le cas évidemment pour les élèves.
En cours, classiquement, le professeur va interroger, l'élève va rendre une copie papier, manuscrite. Là, grâce à ça, dans n'importe quelle salle de classe, les élèves vont pouvoir rendre des devoirs différents. Ils vont continuer à rendre des devoirs papier, manuscrits, bien sûr, mais ils vont pouvoir rendre un compte-rendu de TP illustré, Nicolas va vous en dire un mot, ils vont pouvoir prendre des photos, faire un film, faire un montage, enregistrer de l'audio, ils vont pouvoir faire un dessin, le partager avec des camarades, enrichir un texte à plusieurs simultanément, faire de l'impression 3D, faire du codage informatique, faire de la recherche sur Internet. Voilà, c'est une invitation à la créativité des enseignants qui peuvent faire beaucoup plus de choses et à la créativité des élèves qui eux aussi peuvent entreprendre, créer beaucoup plus librement et faire des choses très différentes. Alors le premier exemple qu'on peut vous donner, là encore, c'est en SVT. Je laisse la parole à Nicolas. Oui, nous sommes donc en classe de 4e ici et même en sciences, nous voulons travailler la créativité. Le but en quatrième était de montrer quel était le mouvement des plaques, sujet qui peut paraître peut-être un petit peu austère. Et donc, ils avaient des travaux pratiques d'une heure environ avec des documents, des manipulations. Et la consigne, c'était sous la forme de votre choix. Donc, via la tablette, ils peuvent travailler sur notes ou sur une application que nous avions téléchargée. Ils devaient me faire un compte-rendu que je récupère la séance d'après en AirDrop de manière assez simple. Et la consigne, c'était sous la forme de votre choix. C'est-à-dire qu'ils pouvaient mettre du son et du texte. De la vidéo, du montage, de la motion capture. Et ils ont travaillé une semaine dessus. Et ce qui a été très, très intéressant par rapport à ça, alors on voit un peu par rapport au diaporama, vous avez une page de garde ici avec la photo du TP. Et en haut à droite, c'est un élève pourtant qui est très timide et qui a travaillé surtout, lui, avec un compte-rendu sonore. Il a enregistré sa voix via la tablette et il m'a fait différentes pastilles pour me raconter son expérience, son interprétation et l'analyse des documents. Et il a complété ça en bas à droite avec la vidéo de l'expérience. Et c'est eux, effectivement, qui ont créé ça. Et je me suis rendu compte que ces très timides-là, qui sont plutôt en retrait, ont davantage joué le jeu de la vidéo et du son. Donc, ça a été très intéressant pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport à cet outil-là. Je précise que la faute d'orthographe montre bien que c'est un document authentique et qui n'a pas été retravaillé par le professeur. Alors, parlez-nous des cellules. Oui, là, on est vraiment sur du compte-rendu plus classique. Hein, donc, on travaille en collaboratif et il y a un compte-rendu d'observation. Et donc, ça, c'est un travail qu'ils ont fait avec l'iPad, directement sur l'oculaire. Alors, ce n'est pas loupe, c'est directement microscope. Et ils observent. Alors, à gauche, vous avez du charbon en lumière polarisante. Et à droite, ce sont différentes cellules. Donc, ils sont plutôt très, très habiles. Et ils arrivent à capter l'élément qui est essentiel. Ensuite, ils l'importent et ils légendent. Et ils aiment beaucoup faire ça, ça leur prend très peu de temps. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup plus de difficultés à prendre ces photos-là. Et eux, c'est très intuitif et ils font des choses très intéressantes. Ce qu'ils peuvent faire en plus, c'est retravailler l'image, coller des légendes. Et même avec différentes photos, ils peuvent créer des animations. On fait ça en première sur, par exemple, la mitose, où on voit une succession de différentes phases. Et avec ces différentes photos, ils créent eux-mêmes, en posant, par exemple, la voix dessus, leur animation. Alors, moi, je vous dis un mot d'un exemple dans une autre discipline. Ça, c'est en technologie. C'est un professeur qui avait conduit ce travail il y a quelques années avec des élèves de 5e. En quelques mots, l'idée, c'était de leur dire, voilà, inventer un aménagement architectural de l'établissement. Vous avez toutes les possibilités pour retravailler un espace de l'école alsacienne et l'améliorer. Et donc, les élèves devaient réfléchir, concevoir les choses, faire une esquisse, puis réaliser en trois dimensions le projet. Et ils ont même, parce qu'on a à l'école des imprimantes 3D, pu ensuite les imprimer. Alors, ça a pu se faire pour partie sur ordinateur, pour partie sur iPad. Et la fin se faisait sur iPad puisqu'il s'agissait pour les élèves de présenter, comme souvent, je vous en parlerai tout à l'heure, présenter leur travail. Et là, ils font un document partagé à plusieurs, ils le présentent au tableau. Et c'est un exposé avec, comme ce qu'on est en train de faire, là, mais en présentiel. Voilà, et on voit toutes les possibilités hein, d'intégrer la 3D, l'impression 3D, l'incrustation d'une image dans un élément réel. Je ne sais pas si on voit très bien là, mais il y a une sorte d'escalier comme ça qui est créé et qui est incrusté
un peu maladroitement, mais qui est incrusté dans une photo de notre établissement. Et les élèves avaient été extrêmement inventifs et avaient bien pointé les manques de notre école, on manque d'abri en cas de pluie, etc. etc. Voilà le type de choses que les élèves peuvent facilement faire grâce à l'iPad. Un autre exemple pour changer complètement de discipline et aller vers l'histoire et géographie. Là, c'est une collègue qui est dans un cours et qui a demandé à ses élèves sur un certain point du programme. Elle a fait comme des exposés, on va dire, répartis des thèmes par groupe de deux. Mais la particularité, c'est que les élèves devaient présenter donc un point précis du programme, un petit peu comme une émission, le dessous des cartes, donc partir de documents du manuel qu'ils devaient expliquer, commenter sous la forme d'un documentaire, d'un document audio qui s'ajoutait à des images fixes successives. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, il est fait avec des tout-petits, hein, avec des cinquièmes, enfin, des jeunes élèves de cinquième. Il est fait pour l'essentiel en classe, c'est-à-dire qu'ils commencent vraiment en classe, ils se mettent par groupe, ils interagissent, ils créent le texte, ils sélectionnent les documents, ils font le montage et ils peuvent même commencer à s'enregistrer. Alors après, l'enregistrement en salle de classe, c'est un peu bruyant, c'est tout, parfois un peu compliqué, mais ils peuvent s'isoler dans le couloir, revenir, etc. et puis terminer à la maison. Et donc, il y a vraiment là une manière dont le professeur va pouvoir accompagner les choix faits par les élèves. Quel est le bon document? Comment en parler? Comment l'illustrer? Et cet aspect multimédia est tout à fait intéressant. Alors, un autre point pour illustrer la diversité de ce qu'on peut faire, parce que cette créativité, en fait, pour essayer de vous en rendre compte, là, je vous donne un exemple. C'est l'exemple de... Parce que alors, nous, vous voyez, on travaille beaucoup avec les outils Google aussi, qui nous permettent d'échanger et de partager des documents. Et donc là, c'est Google Sheet. C'est un élève de 5e à la fin d'une année. C'est l'ensemble des exposés qu'il avait fait sur des thèmes très différents et avec différents camarades. Et donc, il y a une vraie maîtrise de cette présentation, comment on fait une présentation, comment est-ce qu'on la projette, comment est-ce qu'on, avant ça, comment on la partage avec son camarade, comment est-ce qu'on travaille à plusieurs sur un même document, ensemble en classe, puis on continue à la maison, ce qui simplifie énormément le travail, on va y revenir. Voilà, et sur des formes extrêmement diverses. Je vous ai mis ensuite un sondage qu'on a fait plusieurs années de suite auprès de nos élèves, pour montrer simplement la diversité des activités réalisées. Alors évidemment, ça dépend des classes, ça dépend des projets de chaque professeur, de chaque équipe pédagogique, mais je trouve que c'est intéressant, alors qu'ils ont, tous utilisé l'iPad pour faire du texte, ça c'est à peu près logique, mais je trouve que c'est intéressant de voir que 95% des élèves, au bout d'une année, avaient réalisé une vidéo, ce qui évidemment, on n'aurait pas eu les mêmes statistiques sans un outil de ce type-là. Même chose, ils avaient été extrêmement nombreux à faire avec l'iPad de la modélisation 3D. Et puis ensuite, il y a des activités plus habituelles. Voilà pour ce qui est de la question de la créativité. On passe à un autre point fort et important de notre projet et de ce qu'on peut faire avec les tablettes numériques et notamment avec l'iPad. C'est vraiment donner de l'importance, donner de l'ampleur, faciliter toutes les coopérations entre les élèves. L'a priori, l'idée reçue que des parents peuvent avoir ou que même des professeurs peuvent avoir, c'est que la tablette, comme tout outil numérique, va isoler, c'est un rapport de l'élève à l'écran, etc. etc. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, au contraire, c'est un outil qui simplifie, qui permet véritablement la coopération par l'échange de documents, par le travail à distance. Alors, on s'en rend compte beaucoup en ce moment. Voilà, par tout un tas d'activités qui vont se faire à l'aide de la tablette. Et ça, c'est un point extrêmement fort, nous semble-t-il, de ce dispositif. Ça se retrouve déjà sur des travaux qu'on fait actuellement. Nicolas, je vous laisse expliquer ce que vous avez fait avec vos élèves il y a quelques jours, je crois. Oui, c'est ça, c'était de la coopération confinée. C'était avec une petite classe et je les ai pris donc en visioconférence en demi-groupe. Et le but, c'était de les faire travailler ensemble à distance. On travaillait sur les besoins des plantes. Donc, ce que j'ai fait avant la séance, c'est que j'ai créé différents groupes. Il y a une application sur iPad qui s'appelle Roulette, dans lequel je rentre différents paramètres et qui me crée des groupes. Comme ça, les groupes changent à chaque fois.
et j'ai créé différents groupes. Alors, on a travaillé ensemble un peu en visio et ensuite, je leur partage ce document-là. Et avec les groupes, ils vont remplir leurs cases et seulement leurs cases. Alors, ils ont une animation sur les besoins des plantes. Ils ont leur travail sur l'hypothèse. Exemple, l'hypothèse 2, c'était Max, Victor et Emma qui travaillaient sur la plante a besoin d'eau. Et là, ils avaient 20 minutes où je suis avec eux, où ils peuvent se servir du chat ou même s'appeler par téléphone pour remplir leurs cases. Et au final, ensuite, ce document collaboratif, on le corrige tous ensemble et je leur transfère par mail ou sur un document partagé que je leur imprime en classe. Là, c'était vraiment juste un transfert par mail. Ce qui veut dire que même à distance, dans des situations qui étaient peut-être un peu plus anxiogènes et compliquées, on a réussi à travailler par groupe de 3. Donc, c'est un outil qui a été essentiel. Et c'est un travail que les élèves aiment beaucoup, puisqu'ils communiquent beaucoup entre eux et il n'y a pas du tout de compétition. Au contraire, c'est une volonté de bien faire et il y a une vraie écoute. En tout cas, c'est une séance, moi, qui a très, très bien marché. Pour prolonger ce que vous dites, Nicolas, on pourrait citer un certain nombre de professeurs là, qui ont donné des travaux collaboratifs à leurs élèves, même en période de confinement. Je sais qu'en espagnol, ils ont fait une chanson et ces différents groupes qui se sont filmés en famille. Et puis ensuite, c'est plusieurs élèves qui ont contribué au montage de cette vidéo. Je sais qu'il y a des élèves qui continuent à faire des exposés, donc qui les préparent chacun chez eux sans s'être vus du tout. Et puis qui ensuite le présente à la classe en tout ça en visioconférence. On peut maintenir une vraie coopération à distance. Et là, l'intérêt, c'était de le faire online, c'était de travailler l'entraide alors que nous ne sommes pas à côté. C'était ça, et ça a plutôt bien marché. Alors, pour prendre des exemples dans d'autres disciplines, ça c'est tout simple, hein, c'est des élèves de 5e. Qui présentent alors à des élèves plus grands, des élèves de 4e, un travail qu'ils avaient fait ensemble. C'est une situation très, très, très habituelle de cours. Les élèves ont préparé un exposé, ont préparé un travail, le projettent sur le tableau blanc numérique. Hein. Il faut dire que tous j'y reviendrai dans les prérequis, mais toutes nos salles de classe sont équipées évidemment avec des Apple TV et des vidéoprojecteurs pour que, très simplement, des élèves puissent prendre la main sur le tableau et montrer le fruit de leur travail, soit sous la forme d'une présentation, soit tout simplement en classe. Ils ont répondu à un exercice et ils vont projeter au tableau, comme le ferait le professeur, leur production. Un petit point pour vous dire que cette manière de mettre les élèves en groupe assez fréquemment, ça nous a conduit aussi à une réflexion sur l'utilisation de l'espace de la classe. Là encore, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'établissements scolaires et assez naturellement, on s'y est mis. On n'a pas encore beaucoup de classes qui sont équipées de cette manière-là, mais on en a quelques-unes, des classes modulables comme celle que vous voyez là, avec des chaises mobiles qui vont permettre d'avoir des configurations différentes de l'espace de travail. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une même séance, on soit en frontal pendant un certain temps parce qu'on a un élément de connaissance à transmettre aux élèves et qu'ensuite, on répartit les élèves par groupe, par îlot, et que très facilement, ça va se faire sans qu'on ait à déplacer les tables, etc. Et la tablette simplifie bien les choses parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place sur ce petit bureau qui est attaché à chaque chaise mobile. Vous voyez qu'on a aussi équipé les murs de tableaux blancs, ce qui permet aux élèves d'aller travailler sur très facilement et être encore une fois actif. Et puis on peut imaginer qu'à la fin, enfin en cours de séance, on compose les groupes différemment et que la coopération qui s'était établie avec un certain groupe en début de séance change et se fait autrement par la suite. Pour terminer peut-être sur cette notion de coopération entre les élèves, je vous ai mis là encore un élément d'un sondage qu'on avait fait. Tout d'abord auprès des parents, ça c'est les parents qui ont répondu, et très très clairement, à 86%, ils disaient que la tablette facilitait le travail collaboratif. Encore une fois, c'est pas forcément ceux qui sont convaincus de ça, parce que c'est pas intuitif, mais si les parents le disent de manière aussi claire, c'est que ça a un véritable effet pour faciliter les contacts, faciliter les échanges. Et les élèves, ils sont convaincus de cela à 93%. C'est un questionnaire qui avait été rempli par 230 de nos élèves. Alors voilà pour les aspects
pédagogique, on va dire, et l'intérêt pédagogique de l'iPad en classe. Je vous dis quelques mots, et puis après je vous laisserai poser des questions. Je vous dis quelques mots de la mise en œuvre technique, parce qu'évidemment, il faut, avant de se lancer dans un tel projet ou avant de le développer, ça suppose quelques préparatifs et de se poser les bonnes questions et puis d'avoir les infrastructures suffisantes. D'abord, un petit point quand même sur le fait que l'un des intérêts de l'iPad comme outil, c'est que c'est un outil qui est verrouillé, c'est un outil qui permet de contrôler ce qu'on fait. Et on ne peut pas donner aux élèves quelque chose qui soit ouvert complètement. Il faut que ça doit rester un outil de travail. Et donc, grâce à l'utilisation d'un MDM, on pourra revenir sur ce que c'est, mais je pense que vous savez un petit peu, c'est un logiciel qui contrôle à distance les iPads. On peut limiter l'accès à Internet, mettre en place un certain nombre de restrictions. Par exemple, évidemment, les élèves ne peuvent pas installer les applications qu'ils souhaitent. C'est nous qui déterminons, en équipe, avec les professeurs, les applications qui doivent figurer sur la tablette. Et il y a même un outil en classe qui permet de contrôler l'iPad en classe. Alors, ce qui est important, c'est surtout qu'il existe, parce que les élèves savent qu'en fin d'heure, on peut savoir exactement ce que chacun a fait à quel moment. Donc, est-ce qu'ils ont été sérieux ou est-ce qu'ils ont fait autre chose que ce qui était demandé. Mais on peut aussi contrôler pendant le cours l'utilisation des tablettes. Et ça, c'est un point qui rassure les parents. C'est un point qui rassure aussi les professeurs et qui est important. Mais sur tous ces points-là, il faut bien les voir en amont, bien communiquer, bien expliquer et bien regarder comment ça marche et bien former. Je reviendrai aussi sur la question de la formation. Pour vous donner une petite idée de la mise en place dans notre établissement, alors il y a différentes manières de faire. Dans certains établissements, on met en œuvre tous les niveaux en même temps. À l'école alsacienne, on a choisi de faire ça étape par étape. On a commencé en 2015-2016 avec une classe expérimentale. J'avais réuni un groupe de professeurs qui étaient volontaires et qui étaient très impliqués dans les questions de numérique. Ça a été fait aussi en lien et avec le soutien de notre association des parents d'élèves, parce que je pense que c'est très, très, très important de discuter avec les parents dès le départ. Avant même de lancer cette expérimentation, on avait réfléchi, bien sûr, on était allé voir. Moi, je suis allé dans différents établissements, je suis allé à Londres, à San Francisco, mais je suis allé aussi dans certains établissements en France pour voir quelle utilisation de la tablette on pouvait faire, comment ça se passait. Et c'est cette classe expérimentale qui nous a permis de valider le schéma et ensuite de le généraliser par étapes, d'abord au cinquième. Alors ça s'est fait aussi sur le niveau 5e parce qu'à l'époque, il y avait ce plan de l'éducation nationale d'équipement de tous les établissements. Je ne crois pas que ce soit fait, mais c'était un affichage en tout cas du ministère à l'époque et c'était une bonne idée. Nous, on s'est calé sur ce plan qui prévoyait 5e, 4e, 3e, et puis ensuite 3e et 6e. On n'a pas équipé les 6e, on a choisi de rester sur le cycle 4. On est monté comme ça progressivement. Et quand on est arrivé à la 3e, l'idée qu'on avait au départ, c'était de se dire que pour le lycée, on ferait du BIOD. Chacun apporte son outil, qu'on n'avait pas forcément envie de gérer ça, parce que c'est quand même lourd. Mais en fait, et puis que aussi des lycéens, peut-être qu'ils auraient besoin d'un ordinateur, de quelque chose qui offre plus de possibilités de l'iPad, parce que l'iPad, ce qui est formidable, c'est qu'on peut prendre des photos facilement, on peut le déplacer facilement, on peut filmer, on peut faire tout un tas de choses qui sont aussi très ludiques. Ça nous semblait peut-être un peu moins adapté à des lycéens. Mais le constat qu'on a fait en équipe avec les professeurs, c'est que cet outil se l'était approprié, parce qu'évidemment, on a équipé tous nos professeurs, tous les professeurs de l'école sont équipés, ça c'est un point indispensable, bien sûr, pour que tout le monde adhère et pour que voilà, ça marche. Et donc, ils ont préféré qu'on reste avec cet outil qu'ils connaissaient bien, qu'ils maîtrisaient bien, et qui rendait de vrais services. Et donc, les élèves du lycée, désormais, sont équipés, en tout cas les secondes, les premières, et l'année prochaine, les terminales. Et du coup, ils ont aussi les manuels numériques, puisqu'il y a cette question, alors là, ça, on ne pourrait pas aller pendant très longtemps, voilà, notre établissement est équipé par la région de manuels numériques que nos élèves de seconde et de première consultent sur leurs iPads. Donc voilà, un déploiement progressif.
qui a mis un peu de temps, mais qui marche plutôt bien. Un petit point sur la formation, c'est sans doute l'élément le plus important, former les professeurs en amont. Nous, on a, alors c'était pas tellement en amont, mais en tout cas, on avait donné les iPads au mois de juin qui précédait la rentrée scolaire pour que les professeurs s'y habituent pendant l'été. On avait fait des formations dès ce moment-là et puis ensuite, on a essayé de les accompagner le plus possible. Cette année, vous voyez, on est à plusieurs années d'exploitation des iPads, mais on a organisé 17 demi-journées de formation qui sont vraiment très utiles parce que, alors, nous, ce qu'on a choisi, hein, c'est d'accompagner les professeurs et d'avoir une conduite du changement tranquille qui se fasse petit à petit pour que le plus possible l'enseignant en bénéficie. Et en ce moment, il y a pas mal de professeurs qui sont contents d'avoir amélioré leurs compétences numériques parce que ça leur est bien utile en période de confinement. Mais on n'a pas voulu brusquer tout le monde non plus. Je pense que ça s'est fait tranquillement avec des moments difficiles aussi parfois où certains enseignants peuvent être assez réticents à cette utilisation ou en voir certains défauts. C'est vrai qu'il y a, c'est pas un objet miracle, hein, certainement pas. Ça permet de faire des choses, mais ça amène aussi de temps en temps à une certaine déconcentration si on laisse les élèves faire ce qu'ils veulent avec, bien sûr. Donc voilà, la formation, c'est un élément tout à fait important. Et l'un des points, en plus de ces journées de formation qu'on a mis en place, on a aussi mis en place de manière très régulière dans l'établissement un café numérique. Et très régulière, c'est en fait tous les jeudis. Tous les jeudis, à 13h, Nicolas et puis notre équipe des services numériques sont dans une salle. Ils attendent les professeurs qui souhaitent passer, poser toutes leurs questions, boire un café. Et cet élément-là, ce point de repère fixe, il est vraiment essentiel. Et là, on vient, enfin, ça fait 3 ou 4 semaines qu'on l'a remis en place, mais en ligne, à distance, pour parler des outils que les professeurs utilisent en temps de confinement et continuer à les accompagner de cette manière-là. 2-3 chiffres rapides. On a la chance pour 1800 élèves d'avoir 3 personnes dédiées au numérique à l'école, au numérique, à l'informatique, au réseau, au suivi des iPads, au suivi des ordinateurs, au suivi de tout ce qui fait le fonctionnement d'un établissement. Je crois qu'il y a un investissement humain important si on veut que ça marche, parce que ça ne va pas de soi et que c'est du travail. On a désormais plus de 1000 iPads gérés. Et on en aura encore 250 de plus, je crois, l'année prochaine. Donc, on a équipé tous nos professeurs, y compris les professeurs du primaire, tous nos élèves de la 5e à la 1ère et jusqu'à la terminale l'année prochaine. Et on a aussi introduit des classes mobiles en primaire. Donc, ça, ce n'est pas mon domaine, mais c'est une autre modalité qui nous semble adaptée à l'école primaire, où là, c'est des iPads en libre service. Et qui rendent justement beaucoup de services aux professeurs des écoles quand ils ont une activité spécifique à faire avec leur classe. On a aussi des vidéoprojecteurs dans toutes les salles, 90 Apple TV, une Apple TV dans chaque salle. C'est un élément important pour que on puisse vidéoprojeter. Enfin, ça donne du sens évidemment à tout ce qu'on fait. Et on peut difficilement s'en passer. Et le point de départ avec les personnes, c'est aussi la connexion Internet, parce que sans connexion Internet, on ne fait pas grand-chose. Et donc, pour nous, en tout cas, on a désormais deux lignes fibres. Au départ, on en avait une. Désormais, on en a deux. Ça assure aussi une stabilité. Et la question du débit est essentielle. Évidemment, tout l'établissement est équipé en Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi dans toutes les salles. Il y a du Wi-Fi dans tous les lieux de l'établissement. Et là encore, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut que ça tienne le choc. Et nous utilisons un MDM, donc un logiciel de gestion à distance des iPads. C'est indispensable. On a dû changer de MDM en cours de route. Et la solution qu'on a choisie, qui s'appelle désormais Jamf School, elle a l'avantage d'offrir aux parents une manière de contrôler l'iPad à la maison, parce que ça reste un sujet extrêmement important. En confiant un iPad à chaque élève, l'école introduit potentiellement quelque chose de
qui peut être compliqué à la maison, il ne faut pas se le cacher. Les élèves, les ados peuvent passer beaucoup de temps sur YouTube, par exemple, et ça peut entrer en concurrence avec les devoirs ou plein d'autres choses. Et réfléchir à cette question en amont, c'est aussi très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parents soient démunis, il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne. On a fait aussi beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec eux, une forme de formation, du lien avec l'association des parents d'élèves. Et l'intérêt de Jump School, c'est que les parents ont un peu la main sur l'iPad à la maison. Ce n'est pas parfait, mais ça rend vraiment bien service. Voilà, voilà pour un panorama de notre projet numérique. Et on vous laisse la possibilité de poser des questions. Parfait, merci beaucoup messieurs parents et la Barrette pour cette présentation très complète et très précise sur le projet de votre établissement, l'école alsacienne. Donc je vais vous faire passer les quelques questions qui sont en train d'arriver. Donc, il y en a qui demandent des réponses assez simples, d'autres peut-être un peu plus élaborées. Est-ce que vous pourriez préciser si le café numérique, donc qui fait partie de l'offre d'accompagnement que vous proposez aux enseignants, est aussi ouvert aux élèves ? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être, Nicolas, vous pouvez répondre. On y travaille. C'est que non, pour l'instant, il est juste ouvert aux différents enseignants, mais il y a une volonté que le café numérique existe aussi par les élèves, pour les élèves. Donc là, nous travaillons et on va le travailler au mois de juin avec trois élèves et délégués numériques qui, dès la rentrée prochaine, puisqu'il faut le mettre en place tout de suite en septembre, seront là dans une pièce aussi et vont expliquer à leurs camarades comment se connecter, comment se déconnecter, comment rebooter un système s'il faut. Donc on travaille dessus aussi, mais on trouve intéressant que ce soit l'élève qui explique à son camarade. Voilà. Donc, Et pour ajouter, pour compléter, c'est des élèves qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Oh, on aimerait vraiment faire ça ». Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le mettre en place. Je sais que ça se fait dans certains établissements. Je sais qu'à la Malassise, il y a un dispositif comme ça qui est assez génial. Et nous, on aimerait bien lancer. On n'a pas encore réussi. On a essayé cette année. On espère y arriver l'année prochaine. D'accord, super. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pourriez, si on élargit un petit peu le sujet de la formation, peut-être donner quelques exemples de thématiques qui sont abordées lors de ces formations ? Oui, alors on en a fait beaucoup. Il y a un certain nombre de thématiques autour de la créativité qui me semble très importante. Comment créer une capsule vidéo, par exemple. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut, parce qu'il y a tout un tas de petits logiciels très, très bien faits qui permettent de faire cela, Clip ou Spark Video, c'est vraiment des petits logiciels très chouettes et qui permettent deux choses. Ça permet à un enseignant de créer aisément un petit module vidéo très simple avec une petite animation, etc., etc., et de le mettre à disposition des élèves. Et puis, ça lui permet ensuite de demander à des élèves de faire la même chose. Et les professeurs sont quand même plus à l'aise quand ils peuvent donner une ou deux, expliquer un tout petit peu à leurs élèves comment faire, même si beaucoup d'élèves se débrouillent tout seuls, ils trouvent par eux-mêmes comment faire. Voilà, ça peut être un module de formation. On a fait des modules de formation sur alors des choses spécifiques. Maintenant, on essaie de faire aussi des choses un peu spécifiques par discipline. Cette année, on a demandé à avoir une formation en français sur comment, parce que c'est une des matières où l'utilisation du numérique n'est peut-être pas la plus intuitive qui soit, mais comment créer, par exemple, un livre numérique qui présente du contenu sur une notion, sur un autre, enfin sur un livre, etc. Où on a fait aussi quelque chose sur les sondes en physique chimie et en SVT. Peut-être nous avons fait les capteurs, parce que l'exao, c'est la crainte de tous les enseignants puisque ça ne fonctionne jamais. Et donc là, nous avons des sondes maintenant qui se connectent en Wi-Fi. Donc on a une formation sur ça notamment. Ouais. Et voilà, des exemples parmi d'autres. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Si on reste un petit peu toujours sur le sujet de la pédagogie et de ce qui se fait en classe, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous choisissez les applications qui vont être installées sur les iPads ? Alors, on a fait un gros travail au départ.
avec justement, en fait, nous, comme on avait cette classe pilote, ce sont vraiment les professeurs de cette classe pilote qui ont expérimenté les applications. On l'avait fait aussi en lien, enfin, on a cherché des conseils. Hein, voilà, je vous ai dit, moi, je suis allé dans d'autres établissements. On a été accompagné aussi, bien sûr, au départ. Et c'est très important d'avoir un bon accompagnement. Mais voilà, c'est les professeurs qui avaient déterminé ça. Et puis ensuite, moi, chaque année, j'interroge les professeurs pour savoir s'ils veulent d'autres applications ou si on en retire certaines. J'ai assez régulièrement des demandes aussi, tel professeur qui me dit « Ah, il y a telle application qui semble très bien, est-ce qu'on peut l'ajouter ?» Et il y a assez de souplesse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des applications qui s'installent obligatoirement sur les iPads et puis des applications qui sont en réserve et que les élèves peuvent télécharger et ajouter quand il y a un besoin avec leur enseignant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que cela se fait. Et puis parfois, c'est les élèves qui me suggèrent des applications. Là, j'ai eu un mail il y a 3 jours. Alors, je crois que je ne vais pas pouvoir parce que c'est une application un petit peu coûteuse et que c'est pas budgété. Mais voilà, j'ai une élève qui m'a écrit en me disant « Oh là là, il y a telle application qui est super. Est-ce que vous pourriez l'ajouter sur les iPads de l'école ?» Et ça arrive assez fréquemment. Donc voilà comment ça se fait. C'est une sorte de consensus avec évidemment le regard premier des professeurs. D'accord, donc c'est vous qui êtes l'administrateur et qui définissez dans le MDM quelles applications vous allez mettre dans le profil des iPads et dans le self-service. Alors, donc, il se trouve que moi je me suis pas mal impliqué, y compris sur l'aspect technique, sur le suivi du projet, mais c'est surtout les services numériques hein, de l'établissement qui s'en chargent, et occasionnellement je peux aussi avoir la main sur le déploiement des applications. Mais voilà, tout est centralisé et puis on choisit quel niveau, quel élève a accès à quoi, quel professeur a accès à quoi. Ok, c'est très clair, merci. Quelques questions maintenant plus sur des sujets de technique, vraiment assez spécifiques. Donc, quelle est l'architecture Wi-Fi que vous avez installée et quel type de borne avez-vous choisi? Alors, c'est là où il me manque notre informaticien pour vous donner une réponse précise. C'est des bornes, je crois, microtiques ou un truc comme ça. Le choix qui a été fait, mais alors là, vraiment, c'est pas mon domaine, c'est de les mettre à jour régulièrement. Donc, je sais qu'ils les bricolent. On a même réalisé en 3D les boîtiers parce que les anciennes cartes n'avaient pas eu la bonne forme, etc., et qu'on les a réaménagées. Donc voilà, on fait un peu le choix d'une technologie modulable, adaptable, qu'on peut mettre à jour facilement. Et on a aussi une société qui nous conseille sur ce point-là, voilà, de manière très, très ponctuelle. D'accord, très bien. Et quelques questions aussi sur donc le MDM. Vous avez en particulier expliqué que vous avez changé de MDM en cours de route. Est-ce que vous pourriez expliquer les raisons de ce changement? Oui, alors, donc au départ, on avait Jamf qui est super, c'est un des standards, ça fonctionne vraiment très très bien. Mais il nous manquait véritablement, donc le seul point, enfin le point central pour nous, c'était véritablement la question du contrôle des parents à la maison. Parce que la version de Jamf ne fait pas ça, ne fait pas de contrôle à la maison. Et c'était un point régulier de discussion, d'échange avec un certain nombre de familles. Et donc, nous avons pris la décision en juin dernier de passer sur Zuludesk. Il se trouve que Zuludesk s'est fait racheter par Jamf et donc est devenu Jamf School. Mais c'est quand même toujours deux produits différents. Et on est assez content. Alors, même si Jamf a repris des fonctionnalités de Jamf School, à ma connaissance, mais l'avantage de Jamf School Zuludesk, c'est que
tous les parents peuvent contrôler l'iPad de leur enfant à partir d'un simple site internet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un iPhone pour contrôler l'iPad de leur enfant, ce qui est quand même, enfin, c'est pas possible de demander à tous les parents d'élèves d'acquérir un iPhone, c'est difficile. Donc voilà, là tous les parents ont accès à ce contrôle à la maison des iPads, et c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a fait le changement. Le changement, c'est assez cauchemardesque puisqu'il faut réinitialiser tous les iPads et tout recommencer. Donc, franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, on ne l'a pas fait pour s'amuser du tout. Mais on est content de ce choix qui permet, c'est pas génial, mais ça permet quand même ce contrôle à la maison. Et puis, l'interface de Jump School, la gestion, etc., tout ça est vraiment très bien. Et un tout petit peu plus moderne que Jamf, si on veut comparer, plus facile d'accès. Voilà. Même quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose peut s'y retrouver, alors que sur Jamf, franchement, faut faire attention. D'accord, très bien, merci. Merci pour ces précisions. Deux dernières petites questions, puisque nous arrivons à la fin de l'heure, qu'effectivement, ce sont des sujets très riches, très passionnants, dont on pourrait discuter pendant très longtemps, mais... On va peut-être s'arrêter après ces deux dernières questions. Je vous les donne à la suite. Première question, comment est-ce que vous sélectionnez les élèves référents numériques? Et deuxième question, que deviennent les tablettes après la scolarité des élèves? Alors, comment est-ce qu'on sélectionne les élèves référents numériques? Pour l'instant, ils se sont proposés à nous. Ils sont venus nous voir. On veut être référent numérique. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de sélection à faire, mais c'est si le dispositif se met en place, je vous ai dit, hein, on est au tout début là-dessus, il faudrait mettre en place plein de choses. Et là encore, je vous renvoie vers la Malassise, je crois même qu'ils ont fait un livre numérique sur cette question-là, donc il y a des choses à aller regarder de leur côté. Deuxième question, que se passe-t-il pour les iPads? Alors, on a eu différentes hypothèses, on a fait plein de choses, on a pensé qu'on les redonnait aux élèves, etc. etc. Aujourd'hui, la position sur laquelle on est, c'est que notre objectif, c'est que les élèves les gardent 4 ans. Donc, on leur confie un iPad, ils le gardent pendant 4 années, ça nous semble une bonne durée de vie. Et au bout de 4 années, on les récupère et on les revend en lot. Voilà, on est là-dessus, ce qui nous semble le fonctionnement le plus simple. Il y en a d'autres, hein, le fait que les élèves les récupèrent, alors ils les rachètent, etc. Enfin bon, ça peut être un peu compliqué. Il nous semble que cette solution est la plus simple. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'iPads à gérer, il y a un moment où il faut essayer de trouver des solutions simples à des problèmes qui, sinon, si on essaie de faire le cas par cas, alors qui veut le racheter, qui ne veut pas le racheter, etc., ça devient un petit peu compliqué.